Bonjour et bienvenue les Gémeaux pour le tirage des énergies du mois de mai 2019. Donc merci de m'accueillir chez vous évidemment pour ce tirage. Nous allons avoir beaucoup de cartes d'ailleurs. Nous allons faire le tirage pour les Gémeaux. Et voilà, je place déjà ces cartes-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aujourd'hui un petit tirage de 13 cartes. Un tirage de 13 cartes, d'accord, avec le petit Lenormand. Ouh, on a déjà la clé de la réussite ici, hein. On a la clé de la réussite, une réponse, une solution. On va faire ça, le tirage. Ensuite, j'ai plusieurs cartes. On va prendre plusieurs cartes, on va utiliser plusieurs cartes. On va retirer une carte de l'oracle de Sceaux, juste pour savoir un complément par rapport aux 13 cartes. On verra. Ensuite, j'aimerais bien faire... Je fais une coupe avec mon oracle de Sceaux et le 77, donc qui sont plus ou moins du même format, pour que ça puisse... puisqu'ils puissent bien aller ensemble. Donc, je ferai une coupe. Je prends une seule carte du 77 et une seule carte de l'oracle de Sceaux pour les associer et voir un petit peu l'idée que ça va nous donner pour peut-être autre chose. Ensuite, nous allons utiliser le « je passe à l'action » pour avoir une phrase pour nous aider ce mois-ci. Ensuite aussi, le coaching de l'âme, d'accord. On va tirer une petite carte de là. Message... les anges de l'amour, voilà. Les anges de l'amour, donc, de Doreen Virtue. On va faire aussi un message des défunts, message de nos défunts aussi, qu'on va lire. Ensuite, j'avais envie de reprendre pour ce mois-ci la carte de la couleur de votre moi, la couleur du moi pour vous. Et puis, j'ai envie de changer un petit peu, de rajouter un petit quelque chose que je n'ai pas encore vu sur beaucoup de chaînes, donc c'est pour ça que je me dis je vais le faire, et ce sera le chiffre du mois, votre chiffre du mois. Donc vous en ferez ce que vous voudrez avec la triade, donc voilà. Et puis vous pourrez poser votre question, une question, peu importe laquelle, et l'oracle nous répondra, vous répondra à la question que vous avez posée, du coup, d'accord. Alors, donc il doit y avoir, je crois qu'il y a 11 jeux, j'avais compté tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je peux même dire 12 avec celui-là. Mais bon, on va dire 11 jeux pour... Alors, une carte vient de tomber. Hop. C'est la carte des Gémeaux, plus des jeux Gémeaux 3e décan, et c'est le bouquet. Alors le bouquet, ici, il va nous parler d'une femme veuve, célibataire, divorcée, donc une femme seule. Sinon, c'est le bonheur matériel, le bonheur financier, le bouquet. C'est la joie. Voilà, c'est quelque chose qui va peut-être tomber bien à point. Une somme d'argent, une nouvelle voiture, une voiture qu'on va vous prêter, une voiture que vous allez avoir l'occasion d'acheter, une voiture de société, un téléphone, un ordinateur, voilà, je ne sais pas. Ça dépend de chacun. En tout cas, c'est très bon. On avait la clé, donc on va réussir. Réussite aussi matérielle. Alors, je vais couper. On a le chien et la cigogne. Un amant, un meilleur ami qui va déménager. Changement pour un ami, changement pour un amant. Donc, c'est l'amant qui change, quelque chose qui change. Ou c'est nous qui allons changer quelque chose pour lui. Ce sera de toute façon, c'est un homme, hein, c'est un ami. C'est un ami ou une... Pourquoi j'ai la tri... Ah oui. Un ami et... Ou une... C'est pas une femme, c'est un homme. D'accord. Et avec le bouquet, ça peut être... Non. C'était le chien avec quoi?
changement, la cigogne. Peut-être un ami qui va. La famille va s'agrandir pour un ami, pour un meilleur ami. Votre amant qui va avoir un bébé avec sa femme, peut-être? Voilà, je ne sais pas. Alors, du coup, je mets mes cartes ici, je vais empêcher 13. Je vais faire un petit. Enfin, normalement, c'est un rond, mais comme je n'ai pas la place, je vais faire deux lignes et deux cartes sur le côté de 13 cartes. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, et 13. C'est juste hein, ce que je raconte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui. Ok, c'est juste. Alors on va faire comme ça. Voilà. On va partir avec celle du milieu en bas, du milieu en haut plutôt, puisque là, ça dépend un peu comment je mets mes cartes, mais ici, les 5 cartes sont en haut, donc on va partir avec le milieu d'en haut. On va y aller et on va voir un petit peu ce que ça va nous dire pour les Gémeaux, donc ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, ou toutes vos planètes qui sont en Gémeaux, hein. Vous savez à quoi correspond la planète, chaque planète et quand elle est dans le Gémeaux, ben voilà, vous pouvez venir voir ce que ça vous, comment ça vous parle. Alors, on va commencer avec l'arbre, la carte de l'arbre. C'est la carte de la santé, de la bonne santé normalement. C'est aussi la carte de la puissance, donc d'une personne qui pourrait être forte, puissante, mais aussi en bonne santé, surtout en bonne santé, pleine d'énergie. Ça nous parle de maturité, donc peut-être quelque chose qui est en train de venir à maturité, de protection, de patience, d'accord? Donc c'est peut-être, oui, il y a peut-être quelque chose qui est en train de venir. C'est comme une plante ou le fruit d'un arbre qui va être prêt à être cueilli, par exemple. Enfin, maintenant, on va voir avec le reste. Ah oui, il y a l'enfant. L'enfant, donc c'est quelque chose qui va commencer. Donc pour moi, il y a quelque chose de sain qui va commencer. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Ça pourrait être le début d'une période de juin. Oui, on a le soleil. Alors le soleil, ça va me parler de masculin. Donc masculin, si vous voulez, dans le sens où vous vous posez la question, est-ce que c'est un mec ou une fille? Peu importe pourquoi, ou un mâle ou une femelle, voilà. Et ici, on vous répond, c'est un homme. Enfin, c'est quelque chose du sexe de féminin. Voilà. C'est aussi le soleil, c'est aussi la carte de la célébrité, c'est aussi la carte du succès, de l'abondance totale et générale, de toute façon, dans tous les domaines. Ensuite, on a les poissons. Alors, les poissons vont me parler ici principalement d'activités indépendantes, hein, d'activités indépendantes pour vous les Gémeaux, pour nous, c'est mon moi aussi. Oui, enfin moi je suis de Gémeaux du mois de mai, donc voilà. Donc, ça va nous parler évidemment le poisson d'une petite rentrée d'argent, d'un travail. Indépendant. Ça va nous parler aussi de réussite commerciale grâce à nos efforts, d'accord? Comme le pêcheur quand il va relever ses gros filets de poissons. Ça va nous parler aussi parfois d'une addiction. Ça peut aussi nous parler de reins ou de la vessie. Oui, en plus, comme c'est à côté de l'arbre,
on pourrait voir avec l'arbre qui est la santé, les poissons sont juste à côté. Donc il est possible que par rapport à la santé, on nous parle d'une addiction, par exemple de l'alcoolisme ou autre. Hein. Et donc la santé, ça pourrait con il y aurait peut-être un problème d'addiction, mais pas que. C'est aussi je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Ça pourrait aussi parler de la bonne santé dans les affaires, donc dans le commerce, une bonne santé commerciale par rapport au commerce. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ça peut être aussi le fait de se lancer. On va peut-être faire un nouveau commerce, en plus avec l'enfant. Donc, on pourrait dire quelque chose, un nouveau commerce. On va commencer quelque chose d'indépendant qui est en rapport avec la maladie. Alors, soit c'est carrément la médecine, ou alors il va s'agir de d'une maladie parallèle, d'une médecine parallèle. D'accord? Donc voilà, alors. Les oiseaux. Alors les oiseaux, on va parler, on va avoir donc des nouvelles de quelqu'un. On va parler avec quelqu'un, enfin c'est un dialogue, ça va parler avec les paroles. Donc c'est pas que des écrits, hein, ce sont des dialogues, des bavardages, des commérages, des potins, des cancans, etc. Ça peut être aussi une publicité qu'on va vous faire par rapport à quelque chose qui commence. Ou alors vous allez apprendre quelque chose qui commence, vous allez apprendre que tiens, un tel a eu un enfant ou un tel a eu a ouvert sa boutique. Voilà, on va voir avec le reste. Alors nous avons ici la tour. Alors la tour va nous parler d'un grand bâtiment, nous parler d'un manque de liberté, manque de quelque chose, de prison. Alors, de se sentir prisonnier. Alors, moi, avec la tour, avec l'enfant, ça va me parler de maternité. Maternité où il y a les bébés qui naissent. Maternité, école maternelle. La tour avec l'arbre, ça va me parler évidemment d'hôpital, d'une maison de santé. D'une maison de santé. On va voir avec le reste. Donc, il est possible qu'il y ait aussi une naissance. Une naissance où. Une naissance. Avec les poissons, ça va me parler plutôt d'un port, près de l'eau. En plus, avec les poissons, il y a l'eau, la notion d'eau. En plus, on a le soleil, donc je pourrais dire aussi, ce mois-ci, pour les Gémeaux, on va être heureux comme un poisson dans l'eau. On va voir avec. Alors, on a le vaisseau justement, donc ça me parle bien d'eau, d'un endroit où il y a donc de l'eau, ou alors ça va me parler d'un autre continent, enfin le continent, d'une autre région, d'un pays étranger, d'une nationalité, quelqu'un d'une autre nationalité. Soit on va aller à l'étranger, soit on va recevoir des personnes étrangères, ou on va recevoir ou aller chez des gens qui habitent plus loin, ou qui habitent loin de chez nous. À l'étranger ou à quelques heures de chez nous, d'accord? Ça pourrait être ça aussi. Ou alors carrément une traversée par bateau. Ça pourrait parler d'une croisière éventuellement, pourquoi pas? Pour un anniversaire peut-être, pourquoi pas? Ça va nous parler aussi avec les poissons aussi et le vaisseau, ça va nous parler évidemment de commerce, de trafic, voilà, de nez. D'un trafic, mais de commerce par la mer peut-être. Maintenant, ça peut être aussi, avec la tour, un trafic illégal. On a la consultante, donc Madame Gémeaux, ici, ou la femme de Monsieur Gémeaux. Donc, voilà. Ensuite, nous avons le jardin. Alors, le jardin, évidemment, c'est la carte qui nous dit qu'on atteint nos buts. On s'épanouit, c'est la réussite, la renommée.
La réussite, la renommée, c'est aussi, les jardins sont les collègues, les clients, les patients, les abonnés, les amis, mais pas les proches, hein, mais pas la famille. Moi, je n'inclus pas la famille dans la carte du jardin. Pour moi, ce n'est pas la famille. Ce sont tous les proches, hormis la famille. Évidemment, avec la tour et le jardin, ça pourrait nous parler d'une fête de festivité. Pour certains, c'est logique, puisque anniversaire. Pour les Gémeaux, hein. Mais bon. Alors. On a la faux. Alors ici, il y a une rupture avec quelque chose. C'est évidemment, ça peut être aussi une notion de rapidité. Cette carte va nous donner une notion de rapidité. Ça va nous parler d'une personne, principalement un homme, qui serait immature, qui serait jeune de caractère. Ça pourrait parler aussi d'une opération. D'une opération, ça nous parle aussi, c'est la partie, ce sont les dents. Les dents, ça pourrait être aussi une blessure, parce que j'ai quand même l'arbre, parce que l'arbre et la tour, c'est l'hôpital. J'ai quand même, avec la fosse, c'est le bistouri, donc ces trois-là ensemble pourraient nous dire que, et peut-être même une personne qui pourrait se faire hospitaliser à l'étranger, une personne qui pourrait, de votre famille peut-être, qui va se faire opérer à l'étranger, une personne qui doit aller à l'étranger se faire opérer. Ça va nous parler, oui, ou alors ça va nous parler, on va rompre quelque chose ici pour aller travailler à l'étranger aussi pour certains. Je vais continuer. On a, alors, il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore, c'est le livre. Donc, quelque chose qui est encore secret, que l'on garde secret ou pas, hein, ou qu'on va seulement savoir. C'est aussi la carte des mystères, évidemment, de l'occulte, hein, de l'occulte, de l'ésotérisme. C'est aussi la carte de l'inconscient, hein, la carte du livre. Alors, c'est aussi par rapport à la carte de cartomancie, enfin, et mes idées à moi, hein, attention, ça n'engage que moi, ce sont mes définitions. Hein. Ici, le 10 de carreau, pour moi, c'est aussi une personne qui se cache. Alors, une personne qui se cache volontairement, involontairement, en tout cas, c'est quelqu'un que l'on ne voit pas, ou quelqu'un qu'on ne présente pas. Voilà, on a peut-être une relation cachée, mais attention, ça peut être une maman qui voit sa fille en cachette ou un papa qui voit ça. Voilà, vous voyez, c'est pas spécialement des tromperies. Hein. Jusque-là, j'ai pas encore de tromperie. Pas encore. Alors, on a le lys. Le lys va nous parler ici de... Évidemment, attendez, avec le livre, oui, ça va me parler d'un avocat, d'un professeur, d'une personne, en tout cas, le livre, c'est une personne qui tranche, une personne de pouvoir, une personne qui a des droits, des devoirs. En plus, bon, ici, si j'ai l'arbre... Le lys, l'enfant, ça me parlera d'un médecin, gynécologue, éventuellement, d'une naissance, d'une médecin qui s'occupe de la naissance. Donc, d'un gynécologue, normalement. Ou alors, ça va peut-être, comme on a quand même la tour, l'arbre et les lys, ça va nous parler aussi de tribunal, de justice, ou alors d'administration communale. Ça peut nous parler de bibliothèque, évidemment, mais avec le lys, moi, j'ai envie de dire un hôpital. Oui, l'hôpital, à mon avis, ça va être pour beaucoup de monde. Alors, hôpital, peut-être pour une opération, ça peut parler aussi d'une... une césarienne. Je vais juste retourner la dernière carte. Il ne me reste plus qu'une.
Oh, en toute façon, ne nous tracassons pas, nous avons la clé de la réussite. Donc voilà, on va avoir la lumière, on a le succès, la réussite, la chance, la solution à tous nos problèmes, si nous avons des problèmes. Voilà, si on a une opération en vue, ça va aller. Si quelque chose par rapport à quelque chose de nouveau, ça va aller. De toute façon, on a la clé de la réussite, on a le soleil, on a vraiment des très 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 belles cartes. Voilà, à mon avis, il y a quand même ce mois-ci, soit il va y avoir une opération, soit il va y avoir une blessure, ou alors, mais ce ne sera pas grave du tout, hein, ou alors, non, je voulais dire une interruption de grossesse, mais je ne pense pas, il me manque une carte pour ça. Non. Pour certains, le dentiste, je ne sais pas pourquoi, voilà, enfin, si, c'est parce que c'est la carte des dents, hein. Chaque carte donc du jeu de Mademoiselle Lenormand évidemment représente aussi une partie du corps humain. Donc, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'on normalement on parle pas de santé. Donc voilà ce que je peux dire ici. Donc réussite. Alors réussite pour moi dans les affaires avec les poissons. Réussite par rapport à la santé. Donc, ou alors nouveau, quelque chose de nouveau, mais on a vraiment ces deux cartes-là l'une à côté de l'autre. Donc c'est vraiment la réussite totale et l'abondance totale et générale. Donc voilà, on a les honneurs aussi, la renommée, hein, les honneurs avec, moi ça me fait penser une couronne de laurier. Donc, donc on a les honneurs, on a une certaine notoriété, on a... Ça me parle aussi d'une personne qui est originale, qui est un peu marginale, mais originale. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit, hein. Peut-être aussi, pour certains, non. Je voulais dire un déménagement au soleil, mais non, c'est pas un déménagement, mais peut-être que on va partir au soleil. Peut-être si vous avez envie de déménager, d'habiter ailleurs, d'habiter à l'étranger ou d'habiter loin d'où vous êtes, vous allez peut-être partir en reconnaissance, vous voyez. Vous allez peut-être aller voir si c'est bien, si c'est une bonne idée. Voilà, vous allez peut-être aussi aller créer une société offshore. Why not? Donc. Voilà, mes amis Gémeaux. Alors, on va juste prendre une petite carte ici pour voir un petit peu. Écoutez, c'est bon, hein, de toute façon. C'est bon. On va peut-être vous annoncer aussi avec la naissance donc d'une personne, oui, la naissance d'une personne qui va s'accoucher, ou alors une personne qui, quelque chose qui est en rapport avec un enfant, un petit enfant. Maintenant, ça peut être aussi une personne de petite taille ou une personne un peu naïve, parfois peut-être handicapée, vous voyez, avec un léger retard mental peut-être. On peut parler de ça aussi. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas encore dévoilé par rapport à ça. On pourrait peut-être aussi trouver... Je n'ai pas envie de parler de santé. Mais sinon, c'était bon, de toute façon. Trouver un nouveau traitement par rapport à une hormone de croissance. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ici. Nous avons la souris. Alors, la souris, évidemment, c'est... Ben méfions-nous de nos acquis. Non, pas méfions-nous de nos acquis. On va se tenir sur nos gardes pour pouvoir justement garder ce que l'on a déjà. Ça va nous parler, la carte va nous parler aussi de perte, de vol, de vol, de malhonnêteté, de dispute, de conflit, ou alors, peut-être, mais je n'ai pas du tout ça dans le jeu, si des conflits peut-être avec celle-ci. J'ai pas du tout ça dans le jeu, donc ici ça va peut-être me parler de surmenage, de burn-out. Voilà,
Moi, cette carte ne me confirme pas vraiment ce qu'il y a là. Peut-être que c'est juste un avertissement alors, parce que de toute façon, il n'y a pas d'hasard, hein. D'un avertissement qui dirait que de faire attention à l'abus. Ah, peut-être que oui, peut-être n'abusez pas d'alcool parce que c'est votre anniversaire et que ça va être votre anniversaire, donc faites un petit peu attention. N'abusez pas parce que peut-être que justement, il y a peut-être des anniversaires qui vont se fêter très 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 et qui vont, voilà, on va peut-être avoir. Je ne pense pas, c'est pas du tout ça, mais je le dis parce que je dis tout ce que je pense, mais qui pourrait. On tombe, on se blesse et on doit aller à l'hôpital pour se faire opérer ou refaire mettre des points de suture parce qu'on a fait le sage et qu'on a grimpé au mur avec. sans filet, quoi. Et parfois, sans filet, on tombe avec un bébé aussi. Donc, c'est peut-être un peu tout ça, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Ok. Alors maintenant, avec l'oracle de Sceaux revisité. Que je coupe, que je pose. Et l'oracle de 77 de Katia. Que je coupe et que je pose. Et on va prendre donc les deux cartes. J'ai disparu. Alors nous avons avec l'oracle de Sceaux le lion, la force, et avec le 77, nous avons la 44. Donc moi je sais pas pourquoi. Je pense toujours à une tétine. Ça me fait toujours penser à une tétine ou à un petit ange. À un petit ange. Donc. Pour moi, il y a un nouveau début, un nouveau départ, il y a une force. Vous allez avoir pour certains la force de commencer quelque chose de nouveau, ou la force d'entamer quelque chose de nouveau, ou le courage d'aide. Pourquoi est-ce que je dis d'aide? Je ne sais pas. Un courage d'aide par rapport à une personne. Je vais quand même vous montrer quand même les cartes. Ça me parle d'un truc, il faut. C'est marrant parce que ça me parle aussi de quelque chose. Évidemment, ça, c'est ce qui est en rapport avec la jeunesse. Le lion. On doit faire obéir. On dirait qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'on doit faire obéir. On va faire obéir quelqu'un. On doit peut-être faire gaffe à ne pas laisser aller trop loin les choses par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant, ça peut être votre filleul, un cousin. Si ce sont des garçons, un filleul ou un cousin. Ou votre enfant à vous, mais. Ou alors vous allez. Vous êtes peut-être dans le domaine du travail, vous avez des enfants à difficulté. En tout cas, ce sont de belles cartes. C'est pas, voilà, y a pas de problème avec ça, hein. Donc, c'est peut-être aussi la force d'un enfant. Un enfant qui va vous prouver qu'il est adulte maintenant, alors que on ne voit pas grandir ses enfants. Et puis, un jour, on se rend compte qu'ils sont 30 ans et que finalement, ben, ils sont 30 ans. Et puis, on se dit, oh mince, alors, tu as déjà 30 ans, dis donc. Et donc, voilà. Ben, finalement, parce que moi, je ne pense jamais à moi quand je fais mes tirages. Je ne fais pratiquement jamais de tirage. C'est très, très rare pour moi. Franchement, très, 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 très rare. Mais si, comme ma fille est enceinte, du coup, ben, voilà, je regarde. Peut-être moi, ça me parle aussi, éventuellement, de grossesse. Mais pas pour moi, bien sûr, mais. On verra, hein? On verra. Soyons fermes avec les enfants.
Et une tétine, voilà pourquoi j'ai vu la tétine. Non, là, je vois tout le temps une tétine avec ce jeu. Donc, mes amis, hop. Alors, maintenant, nous allons faire quoi? On va prendre une carte de... J'oublie tout le temps. Je passe à l'action, d'accord? On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour les Gémeaux, je passe à l'action. L'affirmation. C'est la carte 5, affirmer votre humanité. Et on va la lire. Le jeu de l'ego vous fait de l'L apostrophe ego, hein, pas de l'ego, je l'ai l'ego. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. On va relire, hein. Affirmez votre humanité. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. Voilà mes amis. On va la relire un petit peu après. Hein. Je rigole. Alors le coaching de l'âme. Coaching de l'âme, ça va nous parler de puissance. Puissance. Je suis un être radieux, glorieux et puissant. Moi, je confirme. Je suis un être glorieux, je ne sais plus quoi. Radieux, glorieux et puissant. Voilà. On est ça, nous autres. Ensuite. Oh, j'oublie tout le temps son nom, celui-là. Les anges de l'amour, hein, non, on est une pipe. Les anges de l'amour. Les anges de l'amour, oh, on l'a eu tout à l'heure. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur, les amis. Waouh. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vais parler pour moi aussi. Notre vie supérieure à nous, les Gémeaux. Non, qu'est-ce que je raconte? Notre vie amoureuse à nous, les Gémeaux. Va s'élever à un niveau, s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, on va encore moins pouvoir bouger. Non, je rigole. Voilà. Alors, message du paradis. Bon. Message du paradis. Un défunt va venir vous dire quelque chose. Attention que ce n'est peut-être pas la personne que vous attendez, mais c'est une personne que vous connaissez. D'accord? Bon. C'est peut-être un message qui va être passé, qu'une autre personne va venir vous dire de la part d'une autre personne qui est déjà partie aussi. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Très beau. Alors, la couleur du mois pour vous, mes amis Gémeaux, pour nous les Gémeaux. J'espère que ce sera vert parce que moi j'aime bien le vert ou le noir, mais j'aime bien le... En fait, j'aime bien toutes les couleurs, je crois. Alors,
la couleur pour ce mois-ci, pour les Gémeaux, qui va être... Oh, j'adore aussi ça, l'argent. La couleur argent. J'aime l'argent, j'aime l'argent. Argent. Mais soyez persévérants. Enfin, ça, on ne doit pas tenir compte normalement de la carte, mais je lis quand même. Hein. Mais bon, cette couleur, c'est une belle couleur, hein, l'argenté comme ça. Oui, ce sont des dollars américains. Elles sont très belles ces cartes, j'aime beaucoup. Alors maintenant, votre chiffre du mois. Vous en faites ce que vous voulez, du chiffre du mois, comme je dis. Je n'ai pas encore vu ça dans d'autres vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. On peut aider certaines personnes. Et puis de toute façon, à mon avis, on va vite le voir ailleurs. Le chiffre du mois. Donc c'était avec la triade ici. Votre chiffre du mois, alors ce sera le numéro 7. Et moi j'adore le numéro 7. Voilà. Le chiffre du mois, c'est la porte aussi. Donc vous en faites ce que vous voulez. Je ne vais pas traduire les cartes parce que sinon on va passer beaucoup de temps. Mais bon voilà, c'est le numéro 7 pour votre chiffre, les Gémeaux. Ce mois-ci. Voilà. Alors maintenant, on passe à une question. Posez votre question. Allez-y, posez votre question. Et puis, on va répondre. Donc, un oracle qui est dans ce livre va nous répondre. Posez une question. C'est bon? La boule de cristal. D'après la boule de cristal, quelqu'un d'autre a déjà pris la décision pour vous. D'après la boule de cristal, quelqu'un d'autre a déjà pris la décision pour vous. Donc voici ce que ça dit. Donc voilà, je pense que... Je n'ai même pas posé de question. Donc voilà. Eh bien, moi, je vous souhaite, les Gémeaux, je souhaite chaque fois bon anniversaire à tout le monde. Mais c'est parce que, comme c'est... voilà, comme je passe par là. Oh, comme je passe par là. Eh bien, je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire. Si vous êtes du mois de mai, si vous êtes du mois de juin, ou de n'importe quel mois, d'ailleurs. Sauf que les anniversaires, c'est maintenant. Bon, je vous laisse. Je suis ravie que vous m'ayez accueilli chez vous. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je pense quand même que c'est encore un très très beau jeu que nous avons eu. Je ne pense pas avoir... J'ai rien oublié, non, je regarde, hein, parce que il y a beaucoup de jeux. Non, du coup, voilà. Je vais aller essayer de faire la vidéo suivante. Je vous fais plein de bisous, et puis soyez positifs, toujours positifs. Bisous, bisous.